Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le premier signe astrologique du mois de mars 2023. Donc on va voir quel est le premier signe qui va ressortir. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, quel est ce signe ? Nous allons faire les Vierges. Donc bienvenue à vous pour votre tirage. C'est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Vierge. Donc on va commencer par un message pour voir l'énergie globale qui va vous accompagner pour ce nouveau mois. Alors, pour les Vierges, pour le mois de mars 2023, nous avons le message « Le grand saut ». Alors, ici on vous dit « Allez-y en premier, l'univers va vous rattraper ». Alors, avec cette énergie, pour vous les Vierges, vous allez vous lancer vers l'inconnu. Vous allez pouvoir explorer de nouvelles énergies. Mais ici, avec cette énergie, on voit également que vous allez passer à l'action. Vous allez pouvoir mettre de nouvelles choses en place. Il peut y avoir un nouveau chemin, une nouvelle voie qui s'offre à vous. Donc ça, c'est déjà ce qui ressort. Alors, on va faire un tableau de 15 cartes avec le petit bleu normand. Plus précisément, le ferry, le normand. On va voir ce qui ressort pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la carte du cercueil et nous avons le lys. Alors déjà ici, on voit que vous allez tourner une page. Il va y avoir une renaissance dans votre vie et dans vos projets. Et avec le lys, on parle de démarches importantes. Ça peut être aussi des démarches administratives qui vous permettent de tourner une page, qui vous permettent de transformer les énergies. On peut nous parler aussi d'un avocat, d'un juge, d'un médecin qui va vous aider dans une transformation de votre vie. Alors, on va regarder ce qui ressort pour vous. Donc, on va prendre 15 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Alors, je vais positionner les cartes. Au dos du jeu, nous avons la carte de la consultante. Alors ici, on peut nous parler de vous si vous êtes une femme, ou ça peut aussi être en rapport avec la femme la plus proche de vous. Ça peut être une amie, une sœur, une mère. En tout cas, on a une énergie féminine qui va être présente dans votre mois. On a aussi le soleil et le cercueil, donc on a bien cette idée de transformation. Vous allez pouvoir tourner une page et il y a du bonheur et de la joie qui arrivent dans votre vie. Alors, nous avons la carte du mont, nous avons le jardin, nous avons le chien, le consultant, le lys, la croix et l'ancre, les étoiles, le cavalier, les oiseaux, le renard et le trèfle, l'enfant et la faux, et nous avons la carte du vaisseau. Alors ici déjà, on nous indique qu'il y a peut-être des blocages qui durent depuis longtemps ou une situation d'attente. Mais le mont nous indique aussi que vous allez pouvoir trouver un chemin qui va vous permettre de dépasser les obstacles qui sont présents. Il peut être question d'une épreuve, d'un fardeau que vous portez sur vos épaules. Ça peut être en lien avec votre vie professionnelle. Peut-être que vous avez envie d'un changement, vous avez envie d'une transformation dans votre vie professionnelle. On a une chance, une opportunité qui arrive par rapport à votre carrière. On peut nous parler aussi de quelque chose d'inattendu qui va apporter un équilibre, qui va apporter une stabilité dans vos projets. On nous indique également une décision qui est en lien avec un enfant. Donc ça peut être votre enfant, vos enfants, peut-être aussi un enfant de votre entourage. Il est question également de nouvelles d'une personne plus jeune que vous. Et on voit que par rapport à ces nouvelles ou par rapport à une personne qui vous rend visite, vous allez pouvoir prendre des décisions importantes. On a également ici des communications avec une personne qui vit loin de vous. Ça peut être une personne qui vit dans un autre pays, dans une autre région. On a en tout cas une distance géographique qui peut être présente. Mais on nous indique une personne qui vient vers vous. Donc ça peut être une personne qui se déplace pour vous rendre visite. Et c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir des échanges et des communications. Le lys va aussi nous parler de démarches importantes. Donc ça ressortait dans la coupe.
on a possiblement des démarches administratives, des démarches peut-être reliées à une procédure. On voit que si cela vous concerne, vous allez avoir des nouvelles rapidement qui vont vous permettre d'officialiser vos projets. Il est question également d'une amitié, d'une relation qui est très importante pour vous, qui vous apporte beaucoup de sérénité. Ça peut être en lien avec un homme, mais aussi avec une personne qui a des énergies masculines importantes. On voit des nouvelles de cette personne, des nouvelles qui vont vous permettre de communiquer, d'échanger. Et on a également un nouveau départ pour vous. Donc on voit que c'est un nouveau cycle qui va commencer pour ce mois de mars. On nous indique aussi que vous avez envie d'un renouveau. Vous avez peut-être envie d'explorer une nouvelle voie, un nouveau chemin. Vous êtes fidèle, engagé par rapport à vos projets. Et on voit vraiment que votre bonne étoile veille sur vous. Il y a des rêves, il y a des souhaits que vous avez qui vont vous permettre de faire avancer vos projets. On a également des décisions qui concernent un voyage. Peut-être aussi en lien avec un déménagement. En tout cas, pour ce mois de mars, vous allez prendre des décisions importantes. Il y aura des communications qui vont peut-être, qui vont certainement vous permettre de voyager, de vous déplacer. Et on voit également que la communication va être très importante pour vous. Il est question aussi d'une opportunité qui va apporter quelque chose d'apaisant, qui va vous permettre de réaliser vos souhaits et vos rêves. Et on voit que l'extérieur, les relations, les personnes qui vous entourent, c'est quelque chose qui va être très important et qui va vous permettre aussi de créer de nouvelles relations. Puisqu'ici, on peut nous parler d'une rencontre amicale qui va être très importante pour vous, dans laquelle vous allez vous sentir épanoui. Il va y avoir une connexion importante avec une personne que vous allez rencontrer. Mais peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne. On nous indique aussi une amitié durable, une amitié qui évolue dans le temps avec un lien qui va se renforcer de plus en plus. On peut nous indiquer aussi des relations qui sont en lien avec votre cheminement spirituel, des relations qui vont être alignées avec ce que vous ressentez en vous et qui vont apporter un certain équilibre dans votre vie. On nous parle aussi d'une stabilité au niveau professionnel. Il y a peut-être un équilibre qui va être retrouvé ou un ancrage dans votre carrière qui va vous permettre de saisir les opportunités qui vont arriver pour vous. Ici, on a un nouveau cycle, on a un nouveau départ avec quelque chose qui bouge et qui avance rapidement. On nous indique aussi des communications avec une personne qui a beaucoup de maturité, peut-être quelqu'un qui est plus âgé que vous. Ici, on a une énergie masculine qui ressort. Et par rapport à ces échanges, il y a quelque chose qui va devenir concret pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort dans vos énergies. Alors, on va continuer et on va voir les messages des 77. On va voir ce qui ressort pour vous. Alors, quels sont les messages pour ce mois de mars ? À la coupe, nous avons la carte du soleil et nous avons l'enfant. Alors ici, il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de joie par rapport à un enfant. Pour un enfant, ici on peut nous parler d'un enfant qui est heureux, mais on nous parle aussi d'un nouveau projet, de quelque chose qui va commencer et qui va vous apporter beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Alors, on va faire le tirage, on va voir quels sont les messages. Une, deux, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, au dos du jeu, on a une révélation. On peut nous parler aussi d'un coup de foudre. En tout cas, il y a un déclic, il y a une prise de conscience qui va arriver pour vous. Alors, on a la carte H, on a l'engagement, on a la maison, on a le printemps, on a la ligne, on a la voiture et on a la bougie. Alors ici, on a quelque chose qui va totalement se transformer. Ça peut être aussi un revirement de situation. En tout cas, il est question d'harmonie, d'apaisement. On a aussi un engagement, on a aussi une connexion importante par rapport à votre famille, par rapport à votre entourage. Il peut être question aussi d'un achat au niveau immobilier, d'une acquisition qui va apporter un certain équilibre. La carte du printemps nous parle aussi d'une éclosion, de quelque chose qui va renaître, d'un changement
bénéfique qui va se mettre en place pour vous. On a ici quelque chose qui évolue dans le temps. On peut nous parler aussi d'un projet qui avance au fur et à mesure du temps. Et il est question d'une acquisition. Donc effectivement, ça peut concerner un projet immobilier. Il peut y avoir une acquisition par rapport à un foyer. Mais on nous indique aussi une stabilité importante dans votre mois de mars. Et on a aussi la bougie. Donc la bougie nous indique que vous allez vous sentir guidé, vous allez avoir des signes de vos guides et des éclaircissements qui vont arriver pour vous. On nous parle également d'un éveil de vos capacités et de vos ressentis. Il est question également d'un engagement important par rapport à votre famille, par rapport à votre entourage. On peut nous parler de déplacement pour aller voir votre famille ou votre famille vous rend visite. Le printemps peut aussi nous indiquer que la saison du printemps va être importante pour vous par rapport à vos engagements, par rapport à vos projets et va vous apporter également une certaine stabilité. On nous parle aussi d'un engagement avec un homme ou pour vous, si vous êtes un homme, il peut y avoir un lien qui devient de plus en plus important et qui va se renforcer. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages au niveau amoureux. Donc, quels sont les messages au niveau sentimental? Alors, à la coupe, nous avons les vacances et nous avons le choix à faire. Alors, ici, on peut nous parler de détente, on peut nous parler d'un moment de repos, de ressourcement et il est question pour vous de faire un choix, de prendre une décision. Mais cette décision va être prise à la suite d'un temps de pause, d'un temps de repos. On nous parle aussi peut-être d'un dilemme, peut-être qu'il est question de plusieurs voies, plusieurs opportunités, et il y a un choix à faire par rapport à ces différentes possibilités. Alors, on va regarder ce qui ressort. Donc, au niveau sentimental, 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a les relations sociales. Alors ici, on nous indique que votre entourage, vos amis, les personnes qui vous entourent vont avoir un lien important avec votre vie amoureuse. Il peut être question du fait que cette énergie va influencer votre vie sentimentale. Alors, on va regarder ce qui ressort. On a la clé du destin, on a osé se lancer, on a la bonne récolte, le bonheur, la réconciliation, le passé qui revient, la fourberie, laisser du temps et on a l'entourage familial. Donc encore une fois, ici, on a un lien avec la famille, avec les personnes qui vous entourent. Il est question d'une opportunité, d'une solution qui arrive pour vous, qui va vous permettre de vous lancer. Mais on peut nous indiquer aussi que vous allez faire le premier pas au niveau amoureux et que vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. On nous parle aussi de bonheur, on nous indique une réconciliation avec le passé qui revient vers vous. Mais il peut être question aussi de faire la paix avec certaines énergies et de quelque chose qui est karmique, qui va revenir dans votre vie sentimentale. Il est question aussi pour vous de prendre le temps, peut-être par rapport à une trahison, par rapport à une manipulation qui a été présente, et on voit que vous allez avoir envie de vous laisser guider, de laisser faire le temps pour que les choses puissent avancer. En tout cas, il est question d'une réconciliation, d'un passage à l'action, mais également ici, on voit que les énergies vont être alignées pour que vous puissiez vous lancer, pour que vous puissiez prendre de nouvelles décisions au niveau sentimental. Alors, on va voir également quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, son état d'esprit. Nous avons le 8 de denier et nous avons le valet de coupe. Alors, dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on voit quelqu'un qui prend en compte chaque détail. On voit quelqu'un qui a beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur. C'est peut-être même quelqu'un qui a énormément de sensibilité. Le 8 de denier, c'est quelqu'un qui peut être préoccupé par sa vie professionnel, par des projets, mais également ici, on voit un renouveau important. Donc cette personne a de nouvelles idées, mais également beaucoup de tendresse et beaucoup de douceur par rapport à vous. On va regarder aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons la carte de la tour et nous avons la lune.
Alors ici, on a un déclic important. Dans votre état d'esprit, il y a énormément d'intuitions, énormément d'émotions qui sont présentes en vous. Et la tour nous indique qu'il y a une déconstruction pour une reconstruction. Donc vous allez être à l'écoute de votre petite voix intérieure, de vos intuitions, pour pouvoir mettre en place des changements concrets. Mais aussi, il y a une prise de conscience importante dans votre vie amoureuse. Alors, on va regarder aussi quelles sont les énergies pour les personnes célibataires. Alors, nous avons le 3 de bâton, nous avons le 7 de coupe et nous avons le 4 d'épée. Alors, le 3 de bâton, ici, nous indique que vous allez vous projeter vers l'avenir. Vous allez regarder devant vous. Il est question aussi de mettre en lumière une situation qui était illusoire. Et avec le 4 d'épée, on voit que vous allez prendre le temps nécessaire. Ça peut nous parler aussi de repos, d'une guérison importante au niveau émotionnel. Et il est question pour vous d'y voir plus clair, d'avoir des éclaircissements dans votre vie sentimentale. On voit également que vous vous projetez, vous regardez vers l'avenir pour mettre en place de nouveaux projets. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Alors, nous avons l'impératrice, nous avons le 4 de bâton et nous avons le 7 de bâton. Alors ici, par rapport à vos énergies, il est question d'un nouveau projet. Il est question aussi de bienveillance, de protection. Donc on voit que vous êtes à l'écoute de la personne de votre cœur. Avec le 4 de bâton, ici, on a la construction d'un foyer, on a des projets en commun. Et le 7 de bâton nous indique une envie d'avancer, une détermination dans vos projets, mais en tout cas une stabilité qui va se mettre en place pour vous. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons le roi d'épée, nous avons l'as de coupe et on a le 2 de denier. Alors ici, pour les personnes qui sont en couple, il y a des décisions importantes. Il y a également le fait de vous affirmer dans vos choix et dans vos décisions. Avec l'as de coupe ici, on a un renouveau émotionnel. Aussi, ça peut être le fait de tomber ou de retomber amoureux de la personne de votre cœur. Et on a le 2 de denier, donc on voit que vous jonglez avec plusieurs projets, avec peut-être plusieurs domaines de votre vie, mais en tout cas, vous cherchez à retrouver un équilibre. Il va y avoir pour vous un nouveau départ par rapport aux émotions, par rapport à un nouveau projet qui vous tient à cœur. Vous allez pouvoir justement apporter des changements dans les énergies qui vont arriver pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau amoureux. Alors, on va voir aussi le message qui va vous accompagner pour ce mois de mars. Alors, on va utiliser l'oracle amour universel et on va voir le message qui vous est destiné. Alors, nous avons la carte de la retraite. Alors, qu'est-ce que vous dit ce message? Donc, la retraite. Cette carte vous dit, l'ange de cette carte vous demande de ralentir votre rythme. Faites une pause, vous travaillez trop dur et vous vous donnez trop de mal. Si quelque chose vous semble constamment hors de portée ou que vous êtes confronté à des obstacles, cela ne signifie pas forcément que vous êtes dans la mauvaise direction. Parfois, les choses prennent du temps pour se réaliser. Purifiez votre esprit des pensées qui ont créé ce nuage qui vous entoure. Oubliez tout pendant un moment et pensez seulement à vous détendre. Laissez le soleil briller sur vous, tout va fonctionner le moment venu. Alors ici, on nous parle d'un temps de ressourcement. Il peut être question aussi de repos, mais en tout cas, vous allez vous connecter au moment présent et vous allez pouvoir vous sentir aligné dans vos projets. La retraite peut nous parler aussi de méditation, peut nous parler de reconnexion intérieure. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de mars, plein de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.